Et pourquoi vous avez tous la même initiative là? Ah, on s'est mis d'accord. Ah oui. Mais le même ordre. L'alarme! T'as vu le message que je t'ai envoyé, Franck, sur TeamSpeak? Ah, sur TeamSpeak, hein. Bah oui, parce que comme je suis en live. J'ai tellement de fenêtres. Ouais, mais j'ai tellement de fenêtres que si tu veux. Ah, mais je peux pas l'envoyer sur le comment en caché si, parce si que. Si, oui, parce... oui. Oui, je peux, mais vous allez tous le voir donc. Bah oui, c'est ça le truc. C'est ça. Je te le rappelle, hein, parce que on avait peut-être oui. oublié depuis la dernière fois qu'on a joué. Exact. Bon, ben, c'est les hobgoblins qui attaquent en premier. Oui. Ils sont les plus rapides. On va faire massacre à la Ils sont les plus rapides. Et ils se déplacent à une vitesse correcte. Ce qui fait. Tout le monde était full vie là. 4. 5. C'est un concept full vie chez nous. Hein. Et 6. Qui dure pas longtemps généralement. T'es pas loin. Ah, Gaël est encore parti. Ah, sauf que c'est pas le bon, celui-là. Oh c'est celui-là qui arrive. Aïe. Faut que tu te mettes un carton qui balance, tu sais, qui te ressemble. C'est ça, ouais, tu. Voilà, c'est ça, exactement, c'est ça. Ça donne un coup d'épée, mais tu vois que. Tu le pars aisément avec ton bouclier, quoi. Je comprends pourquoi je veux pas son dé. Je vois son G, mais je veux pas son dé. Non, parce qu'ils sont pas identifiés. Ah oui, tiens, pourquoi? Ah non, c'est tous mes jets sont cachés maintenant, les jets du maître du jeu. Hop, c'est pas bon. Voilà. Bizarre ça. Remarque que c'est une option, mon talent. Hein. Ouais, c'était. C'est bizarre, comme si tu faisais un jet derrière ton paravent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il arrive que là, lui. Ouais. Ouais, ben pas plus hein. Pour le coup. Gaël, putain, il est invenable, hein. C'est pire qu'un gosse. Hein. C'est pas possible. Bon ben, ouais, je vais me mettre à côté de Bénédicte. Ouais, pour l'instant, je ne tape pas. Je passe mon tour. Ouais. On va commencer à taper quand même. Ouf. Et je tape. Non, vous avez jamais rencontré un corps de gobelin. Oh, vous ne savez pas du tout si c'est. Si c'est fort, si c'est costaud, pas fort, si c'est violent, si c'est. Oh non! Gentil. Oh. Si ça a l'air violent, hein. Ça a l'air violent, parce qu'apparemment, il a perdu ses moyens. Chez Tarn. Tiens, t'as une petite table, t'as un petit jeu à faire. Et puis. Quel malheur! Fumble! Youpi! Ah, t'as un effet! Ah, il a pas été. Ah, ça a pas marché? Bah, ça va ça marcher parce qu'il a pas ouvert la table, je suppose, dans la. Fumble, pourtant j'ai. Faut que tu ouvres la table, oui, dans la. J'ai pas vu d'erreur, j'ai pas de. Bah, j'ai fermé le truc. Hein, bah, oui, mais il s'est rien passé. Mais moi, c'est pareil, je vois pas ce qu'il y a derrière. Fumble, y a plus de lien. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? En cliquant sur la table, ça n'ouvre pas la table. Pas d'erreur. Que ouais, tiens, voilà. Hop. Ok, 5. J'ai retrouvé. T'es surchargé. T'as vous trop ne pouvez rien faire. Vous. Ouais, t'as mis trop de choses dans ton sac, je t'avais dit. T'es surchargé. Qui fait gling gling quand il se déplace. C'est là. Ça. Bling bling. Et c'est n'importe quoi. Fais bling bling. Rien faire pendant un round. Ah ouais, bravo. Je suis anti-bling-bling, moi, monsieur. Tu peux pas te déplacer. Et c'est donc à Altiris ça d'agir. Je déplace. Oh, déjà, tu as été réveillé alors que tu viens à peine de t'endormir, hein. T'aimes pas ça. Hein. Ah, et il commence à lancer des projectiles magiques. Il y a un mode énervé, ne l'écoutez pas. Ne plus de projectiles magiques, ça va sur le gobelin. Mitraillette de projectiles magiques. Et tu vois qu'il a chancelé, hein, il semble en très mauvais état.
Oh là. Faisait longtemps. Ouais, attends, pas entendu de l'orque. Ouais. Mais ils ont pas d'armes. L'orcoïde. À distance, donc. Je suis pas bêté. Alors, quoi qu'il aurait pu faire une double déplacement. Mais c'est pas forcément avantageux pour lui. Donc, c'est à Bénédicte d'agir. Ouais, tiens, je vais lancer un sort pour changer. Oh, un sort. Un sort, ouais, je crois que c'est le premier. Hein, non c'est le premier que tu lances, ouais, voilà, c'est bon ça. Alors, je vais lancer une bénédiction. Un pour Bénédicte, ouais, c'est pas mal. Une bénédiction. Une bénédiction. Bénédiction. Ah, mais j'ai pas l'effet là. C'est quelque chose d'étrange. Il a pas été scripté? Ah non. Ah merde. Ben non, oui, c'est pas ça, c'est. Puisqu'il faut jeter un dé de 4, il n'y a pas d'effet. Quand une type fait une jet d'attaque ou une sauvegarde, tu rajoutes un dé de 4 au bonus. Ouais, un sort qui sert à rien. Normalement, c'est scriptable ça. Dans la campagne avec Gogot, il avait réussi à le scripter ce truc. Moi aussi, j'ai réussi à le scripter. Bah, je l'ai pas. Lance-le. Bon, bah, vous. Nous, alors, on a connu un MJ à lui, hein. Pardon. J'ai rien dit. Donc je vous jette à la bénédiction, donc maintenant tous vos jets en fait quasiment, vous jetez un jet supplémentaire. Ah ouais, mais à combien de personnes tu peux le faire? Trois créatures de votre choix. Ah oui, pardon, trois seulement. Ouais, mais voilà, s'il y a des maîtres du jeu qui ont des effets de sort et qui l'ont pas donné aux petits copains aussi, ça compte pas. Allez, je te filerai. C'est Bless. Mais c'est hein. Bah, c'est aussi avant qu'il refasse les effets. C'est Bless. C'est Bless, ouais. Ouais. Allez, je l'ai trouvé. Ouais, tu vas pouvoir nous le mettre. Je peut-être tout de suite. Hop. Parce que ça, c'est quand même vachement pratique. Hein, l'automatisation de Bless sur les jets de dés. Et c'est super puissant parce que tu rajoutes un dé de 4 à tes jets d'attaque. C'est quoi la durée par contre hein, que je scripte ça comme il faut? Une minute. Durée concentration jusqu'à une minute, ouais. Une minute sur les cibles dépensées. Je vais. Hop, ça y est, il est scripté. Oh là là. Okay. Il est fort ce meneur de jeu. Ouais, pas le temps de le dire, en fait, oui, c'est déjà fait. Ah ouais, c'est nul. alors non, du coup, j'ai ciblé qui moi? Faut que je décible quelqu'un moi. Oh, t'es pas obligé de le mettre sur moi, hein. Mais tu fais sur les 3 cacs, c'est quand même plus simple. Bah pour toi aussi, ça peut être utile, hein, pour lancer les sorts. Hein. Ouais, bon, en général, j'ai pas de problème pour toucher, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Bah oui, il a pas la... Ouais, bah t'as qu'à le mettre sur les 3 cacs. De toute façon, je suis le mal aimé du groupe, je le sais bien. Bah t'es noir. Je vais me déplacer un peu, là, voilà. Oh. Ah, ça tu vas pas se... Ça va mal tourner. Moi aussi, je... On va se faire couper, les gars. Pour blague raciste. C'est ça. Ah ouais, complètement. Donc on a tous un dé de 4. Max, Bénédicte et Chetard. C'est ça. Tous les trois, on est un. Ça devrait fonctionner. Voilà, on c'est... a tous sauf moi, hein. Oh. Toi qui a demandé. Comme ça, il a quand même le plaisir de pouvoir râler, quand même. C'est ça. C'est fort, c'est bon. Tu t'es exclu toi-même du bless. Ouais. 4, 5, 6. C'est plutôt pilule rouge ou pilule bleue? Non, attends, c'est important. Et donc là, le gobelin réagit. L'ob gobelin réagit. Et attaque Bénédicte. Alors tu vois que c'est. Oh là là. Je suis maudit quoi. Ça te met du jeu. Oh mais je te rassure, en tant que joueur, t'es maudit aussi. Hein. Ah c'est vrai. Il y a un effet, bah, il tombe au sol. Équilibre perdu, vous tombez au sol. Voilà. Tu vois, ça marche bien. T'as vu comment... Vous avez vu ma puissance quand même. Ouais, l'ennemi enfin, arrive sur moi, il tombe automatiquement au sol. C'est impressionnant. C'est complètement tes pieds. Bon, donc c'est prone. Hein. C'est un véritable maître Shaolin.
J'ai dégoûté. Bon, mais c'est acheté. Ah bah oui, mais moi je passe directement. Hein. Je fais absolument rien ce tour. Ah oui, c'est vrai, toi tu. Ouais. Et ah, c'est encore moi. Ouais, Bénédicte, tu. Attends. Avec la... ta petite bénédiction et griffe. Je suppose. On va voir si eh ça va. Bah, on va donner un coup de griffe. Hein. Attaquer le. Bah, celui de. Ouais, le 1. Allez. Donc t'attaques le 1, ok. Que je voyais bien la situation pour que je tape le même. Vu qu'il ah ouais. Qu'un seul qui est. Malgré tout ça, tu le rates. Ah, qu'est-ce que je suis mauvais. Ah, malgré la bénédiction de ton dieu. On te le fait pas dire. Hein. Alors, je viens ici. Pourquoi le tirer s'il balance des projectiles magiques Franchement, faire des fumbles. Pourquoi les projectiles magiques est parti. Excusez-moi, j'ai nettoyé mon doigt et. Excusez-moi, ça. Je suis encore un peu jeune. Je nettoyais mon doigt et. C'est parti. C'est ça. Ah putain. Alors, il moi je m'approche et je frappe sur celui qui a frappé Bénédicte, c'est-à-dire celui qui est en train de frapper chez Tarn. Si j'ai bien suivi l'action. Ça. Alors, un coup de rapière. Oh bah alors là, là ça. Ah ben, vous êtes pas très motivé apparemment. Alors, moi j'ai fait bénédiction, hein, ça sert à rien. Ouais. C'est ça. Ça sert à rien. Et c'est pas bon pour le Tiris. Est-ce que tu. Il va te taper. Est-ce que tu utilises un sort en réaction? Oui. Si tu vois ce que je veux dire. Bouclier, là, ça. Ouais, voilà. Ouais. Ce qui veut pas dire qu'il te touche ou pas. Mais... Je fais intervenir les. Je fais intervenir l'équipe des shields. C'est ça? Ouais, faut que tu te le lances pour avoir l'effet avant que je te tape. Alors, oh, oh, joli. L'équipe du shield qui arrive. C'est bon, t'es sauvé. Ouais. Ouais. Et tu vois que tu as bien fait de te le lancer parce que sinon il t'aurait touché. Et ton bouclier magique dévie le coup. Heureusement. Donc, ils ont l'air costaud quand même. Et c'est à toi d'agir. Son bouclier il est déjà expiré? Eh oui, c'est jusqu'à la première attaque. Ah oui, oui, oui. Ah ouais, ouais, c'est en réaction, ouais, non, effectivement. C'est jusqu'à son tour, c'est. D'accord, ok. La réaction, ça fonctionne jusqu'à son tour. Et le truc, c'est que son tour, c'est maintenant. C'est pour ça que ça s'est arrêté de suite. Bah, projectile magique. Maintenant que ton doigt est propre. Qui fait les ongles nickel. Ouais, c'est ça. C'est une petite manucure, ah hein. Écoutez, bande de nœuds. Bah voilà. En attendant, il s'est débarrassé de son gobelin qu'il avait. Voilà, il est trop fort ce, ce mago. Ah, il vous impressionne quand même. Le ah non mais. Vous avez touché personne quand même. Tueur de zombies, tueur de gobelin. Et donc, chez Tarn, tu te fais agresser à l'épée longue. Et ça touche. Vous rendez compte que les hobgoblins, une fois par tour, il peut infliger des dégâts supplémentaires contre une créature contre laquelle il a réussi une attaque. Si cette créature se trouve à moins de 1m50 d'un allié du hobgoblin, ah raté. Il faudrait qu'il ait un bonus, il a pas le bonus sur Shetarm là, il n'y a pas de créature. Bah, s'il avait attaqué quelqu'un d'autre, c'est ça. Ouais, s'il avait attaqué Max, ouais. Il aurait eu le bonus. Je vais m'enlever de là du combat, moi. Je vais prendre mon arbalète et tirer à distance. Hein. Oui, bah allez-y, enlevez-vous tous du combat. Hein. C'est ça. Sauf le pro chevalier. Voilà. Et là, par exemple, ça marche. Ouais, bah oui. Vaut mieux pas qu'il réussisse, hein. Merci, Franck. C'est plaisir. C'est pas possible, mais maudit. Allez, il a mis son pied sur un rondin de bois, il a glissé. Ah, c'est juste un loupé. Hein. Ah, loupé. Et il a, ouais, il a ce rondin, là, depuis tout à l'heure, il glisse tous dessus. Ah, tiens, c'est à toi d'agir.
Trait de feu. Ah non, oui, si, trait de feu. Trait de feu, ouais. Et il a utilisé tous ses gros sorts. Ouais. Attends, je me trompe de sort. Pardon. Et bah voilà. Ah ouais, quand même. Mais pourquoi on se fait chier, nous, en fait? Je sais pas. Juste à regarder, allez, venez, on roule tous, magicien. C'est ça. Et là, tu nous sors un golem. Ah oui. C'est ça. Un gobelin qui tape sur Max. Oh non, bah non. Là, j'en rends plein la gueule. J'ai de la chance. J'ai dormi comme tout le monde. Les entend dire un max, ouais. Et ça repart, hop. Un max et ça repart. Et hop, tiens, un coup de rapière, tiens. Oh là là, là ça va faire très mal. Oh, mais moi je fais des 1 et vous sortez des 20, hein, mais c'est pas possible. Bravo. Non, c'est bien équilibré. Oh, mais je fais. Oh, mais par contre, je place ma sornoise. C'est lamentable. Hein. Oh putain. Je là, quoi. Putain. Respect, respect. Et je me déplace, je me mets ici. En fait, il a juste planté. Ah, tu prends une attaque d'opportunité, le gars, si tu fais ça. Ouais. Ah bah, vas-y. Contrôle, vas-y. En fait, vous étiez en train de vous moquer de lui parce qu'il avait planté sa petite rapière sur l'homme gobelin, mais. Vas-y, un franquin, n'hésite pas. Vital. Ouais, je vois. J'y vais. Pendant ce temps-là, il y a Chétin qui s'excite sur l'homme gobelin. Qui essaye. Qui fait rien. Alors, attends, moi j'ai. Ah, mais il était couché celui-là. Oui. C'est celui qui avait glissé. Oui, c'est pour ça qu'il y avait l'avantage. Ah, ouais. Il était toujours à terre, c'était pas relevé. Bah, était c'était pas son tour. Donc, il a pas pu me faire d'attaque d'opportunité. Donc, il a raté parce qu'il avait. Il a eu un. Si, mais c'est avec un désavantage quand tu agis. Ah, ok, d'accord. 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 C'est pour ça qu'il a jeté un CD. D'accord, ok, d'accord. Et il a essayé de me choper avec son épée, avec son arme au sol, quoi, en fait, c'est ça. C'est ça. Il a essayé de te faucher les jambes, mais ça a loupé. Et donc, ben, c'est Bénédicte. Eh ben, un petit coup de griffe, hein. Celui-là, il est inconscient. Ouf, ben, heureusement que t'avais l'avantage, toi. Comme il était au sol. Parce que... Ah oui. Pourquoi j'ai droppé quoi? T'as droppé un 1. Bon, ben, vous êtes débarrassé de la bande de hobgoblins très facilement, apparemment. Personne n'a été blessé. Bravo. Impressionnant, oui. Vous trouvez pas bizarre que ces hobgoblins. Bon, personne n'a été blessé, je crois que je m'en suis pris un coup quand même. Personne d'important a été blessé. Personne n'est Et vous savez que la piste des trois sangliers est fréquentée, Ouais, elle est fréquentée par des brigands. Vous étiez fait attaquer par les gobelins. Ceci dit, ces hobgoblins, vous savez que c'est un peu les troupes d'élite gobelines. Donc, il y en a peut-être dans les environs, vous savez pas. Ouais, j'essaie de voir je vous rappelle par contre que du coup vous avez pas pris votre repos long, hein, vous avez pas réussi à vous reposer du coup, puisque c'était au début du tour de garde des Bénédictins. Bah, j'en profite, je regarde un petit peu leur équipement et puis savoir s'ils ont pas des missives sur eux, des choses comme ça. Un peu paranoïaque, j'essaye de me rassurer en les fouillant pour voir s'ils ont. En vérifiant leur bourse pour voir s'il n'y a pas des parfums. C'est juste pour me rassurer, pour voir s'ils ont pas de missives sur eux qui nous indiqueraient qu'ils sont à notre poursuite, etc. J'ai dit ça à mes compagnons, évidemment, qui tout de suite me croient, hein, bien évidemment. Oh mon dieu. Alors, c'est crédule. tu fais bien de les fouiller. Parce que tu trouves un parchemin. Et ben voilà. Et sur ce parchemin, très grossièrement dessiné, hein, comme un gosse de 3 ans, tu reconnais un nain ou un hobbit, un chat, un bonhomme dessiné mais noirci, et un autre bonhomme fait avec des bâtons. Pour toi. On dirait un enfant de 4 ans qui a dessiné votre groupe. D'accord.
Ah, regarde. Quelle direction là? Comment? Ils venaient de quelle direction? Ils arrivaient de la forêt, un petit peu plus au nord par rapport à là où vous êtes, hein, au nord-ouest de là où vous êtes. Oh, regardez, on a dessiné des enfants hobgoblins ont dessiné des personnages un peu étranges, regardez. J'étais à côté de la piste des trois sangliers ici, là où j'ai mis la flèche. Ouais. Et ils arrivent de la forêt par là, quoi. C'est curieux, pourquoi ils nous recherchaient? Oui. Et alors, ben, la réponse... Il y a peut-être des choses à nous dire. La réponse est, au dos du dessin, il est écrit 25 pièces d'or pour cela. C'est pas vraiment une réponse. Alors, on sait que c'est des hobgoblins mercenaires, mais on sait pas qui les paye. Ah, si, tu vous le savez aussi, puisque le message est signé, il y a un petit dessin qui représente une araignée.